Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief de ce classique OM-PSG, donc Hakimi vs Aminarit bien évidemment. Et bien écoutez, le PSG s'est imposé, mais le PSG s'est quand même fait secouer au final. On va revenir sur tout ça, bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter et pense également à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et on va directement commencer par revenir sur les compositions du côté du PSG. On a un 4-4-2 losange qui a été mis en place par Galtier avec tout simplement une défense à 4, un milieu à 4 et un duo en attaque. Alors pour cette défense à 4, on avait Hakimi, Marquinhos, Danilo et Bernat. Ensuite pour ce milieu à 4, on avait du coup Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha et Neymar en milieu offensif. Et enfin le duo d'attaque, bien évidemment, Mbappé, Messi. Du côté de l'OM, on commence à être habitué, mais on a un 3-4-3 qui a été mis en place par Tudor. Et du coup, on avait une défense qui était composée de Bailly, de Mbemba et de Balerdi. Au goal, bien évidemment, Paulo Lopez qui a été juste incroyable durant ce match-là. Ensuite, milieu à 4 avec Veretout, Guendouzi pour les milieux centraux. Sur les ailes, Klaus, Tavares. Et pour finir, le trio d'attaque, Aminarit, Sanchez et Rongier. Mais au final, Rongier était milieu central et c'était réellement Guendouzi qui était dans ce trio d'attaque. Écoutez, maintenant, pour le déroulement de ce match, dès le début, on a le PSG qui est passé à l'action avec plusieurs occasions qui ont été tout simplement stoppées par Paulo Lopez qui, dans l'ensemble, pour ce match-là, a sorti quand même une prestation vraiment brillante de sa part et qui a prouvé qu'il était vraiment le numéro 1 à Marseille au poste de gardien. Et vraiment, il a prouvé à plusieurs fois, notamment sur des frappes de Mbappé. De façon générale, dans cette première période, l'OM a eu plus le ballon que le PSG et donc ça a pu déboucher sur des combinaisons intéressantes avec Aminarit, Guendouzi ou Sanchez. Mais l'OM, le problème pour cette première période, c'est tout simplement la finition. Ils avaient des grosses occasions, mais à chaque fois, dans le dernier geste, ils se loupaient, soit de la précipitation de la part de Tavares, notamment sur un centre qui devait arriver pour Sanchez, ou il y a eu d'autres choses, tout simplement avec Aminarit qui fait parfois des frappes un petit peu forcées. Et au final, l'OM peut s'en vouloir dans ce match-là parce que derrière, ils ont pris un but un peu plus tard dans cette première période. Et derrière, s'ils avaient mis les occasions qu'ils ont loupées, ils auraient pu avoir un avantage et donc être un peu plus sereins pour ce match. Sinon, il y a également un élément important à relever dans cette première période, c'est qu'on a eu tout simplement la blessure de deux joueurs. Danilo, tout d'abord, qui est sorti, il s'est fait remplacer par Mukiele, qui a joué l'ensemble du match en tant que défenseur central à peu près. Ensuite, on a également Eric Bailly, qui a mis un gros physique à Bernat, et au final, c'est lui qui se blesse. Donc là, j'ai pas trop compris la logique, mais lui aussi s'est fait remplacer par Samuel Gigot, qui ensuite a été vraiment catastrophique durant ce match, et qui un peu plus tard dans le match a pris carrément un carton rouge sur une grosse blessure sur Neymar. Donc franchement, match catastrophique de la part de Gigot. On l'a vu lors de cette première mi-temps, le PSG était l'équipe qui défendait et qui du coup attaquait directement en contre, mais au final ils étaient plus tranchants par rapport à l'OM, et derrière l'OM était l'équipe qui dominait mais au final qui n'était pas tranchante derrière. Donc au final qui l'emporte, c'est tout simplement le PSG, et c'est pour ça qu'ils arrivent à mettre ce but, parce qu'avant ils ont eu des barres, il y a eu également cette frappe de Mbappé que Paulo Lopez a arrêté, il y en a eu plusieurs dans le match, donc je pense que vraiment l'OM peut vraiment remercier son gardien dans ce match. On bascule sur cette deuxième période et là pour les Parisiens ça s'est beaucoup mieux passé, étant donné que le PSG a vraiment mieux joué, le PSG a vraiment pressé cette équipe de l'OM et l'a empêché de relancer derrière en partant derrière, et au final ça a payé parce qu'il y a eu plusieurs occasions, du coup il n'y a pas eu de deuxième but, mais même si derrière l'OM a poussé pour marquer en fin de match, mais ils n'y sont pas parvenus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas dans cette seconde période, on a plutôt l'impression que les rôles se sont inversés entre le PSG et l'OM, étant donné que le PSG a plus attaqué et derrière l'OM a plus attaqué en contre, donc ce qui montre à quel point les rôles ont changé entre ces deux équipes d'une période à l'autre. Il y a également un élément sur lequel j'aimerais vraiment bien revenir, c'est tout simplement le fait que le PSG ne joue pas assez sur Achraf Hakimi. À chaque fois, le gars, il vient à 200 à l'heure sur le côté, il a vraiment des espaces, il pourrait faire très mal à l'OM, mais le PSG n'exploite pas ce potentiel, et je trouve ça très dommage, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, à chaque fois que ça joue sur Hakimi, ça va vite, il y a plus de rythme, et ça apporte plus à l'équipe, je trouve, offensivement, donc c'est dommage de se passer de la qualité du Marocain. Sinon pour ce match, on va revenir un petit peu sur la prestation des joueurs de façon générale. J'ai trouvé vraiment que Aminarit, encore une fois avec l'OM, a prouvé qu'il était vraiment pas mal. Parce qu'on l'a vu, il arrive à bien combiner avec Guendouzi, avec Sanchez, etc. Maintenant, là où Aminarit doit vraiment s'améliorer, c'est tout simplement la finition. Et ça, on l'a toujours dit, c'est un très bon dribbleur, c'est un très bon joueur techniquement. Ce qui lui manque, c'est juste la finition. Également en passe, il a été intéressant. Et puis après, c'est dommage, hein, c'est un petit peu comme l'OM de façon générale dans ce match-là, ils ont manqué de finition et derrière, ils se sont fait punir. On peut également citer la bonne performance de Vitinha, de Verratti et de Fabian dans ce match, puisque franchement, le milieu parisien a été au top. Mais on a également une très bonne performance de la part de Kylian Mbappé sur les contres, mais également Neymar avec ses dribbles, il a fait très mal, a provoqué beaucoup de fautes et derrière, du coup, a provoqué beaucoup de cartons jaunes pris par les joueurs de l'OM.
Bon bah écoutez, c'est tout pour ce débrief, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. J'avais envie de revenir sur ce match étant donné qu'il y avait deux Marocains qui étaient à l'honneur, Harit et Hakimi. Et donc il y en a un qui a gagné, l'autre a perdu, c'est pas grave. Les deux ont montré une bonne prestation, c'est ça qui compte, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bah je te remercie et je te dis à la prochaine. Goal!